Télévision Nationale d'Haïti, nous en direct dans la cité Drapoa, ville Akaye, pour la cérémonie officielle qui a marqué 215 années de création bicolore. Là, nous prenons très certainement vive et toute une journée de célébration et journée littéralement ici à Akaye, avec bien sûr présence président républicain Jovenel Moïse, premier ministre Jacques Guy Lafontaine, membre cabinet ministériel, parlementaire, on nous dit tout. Il y a plusieurs membres dans le corps diplomatique là qui déjà arrivé dans la commune Akaye pour marquer 215 années création drapeau A. N'a pas souligné dans le moment où on a parlé à et diverses unités dans la police nationale là déjà prend place, puisque d'un moment à d'autres cérémonies officielles prennent ici à. Faut que nous souligner pour même qu'à suivre télévision nationale d'Haïti, cérémonie jeudi à la divisée en plusieurs étapes. Première étape là, c'est pral et sous place Akaya, place Saint-Pierre là et place Dame Vilsa qui est tout près, qui est en face l'église Saint-Pierre qui c'est paroisse ville Akaya. Et c'est la première étape là avec bien entendu offrande florale, avec bien entendu montée du drapeau dans beau ciel Akaya journée 18 mai ça. Et tout de suite après, on a pris une direction l'église Saint-Pierre de l'Arcaillet. On a ensemble vive célébration eucharistique là, ça n'a carré les messes là, messes qui n'ont pas suivi bien entendu le tédéum traditionnel là. Et après, on a retourné sous place là, côté et discours président républicain Jovenel Moïse, libéral l'a prononcé. C'est pour tout intervention premier citoyen et commune, on a parlé de Rosemila et petit frère qui déjà est dans site là pour cérémonie officielle matin. Hein. Et tout de suite après, il n'est pas capable de tout négliger, intervention à l'université l'État, puisque jeudi à tous, c'est le jour de l'université. Nous connaissons Dantès Bellegarde est associé drapeau à l'université. Dantès Bellegarde est souligné à l'université, c'est la gardienne du drapeau. Jeudi à, et c'est quand même un bon prétexte pour nous garder. Ça nous jeudi à comme université. Dans quel niveau l'université ça accompagne le pays, dans quel niveau ensemble de problèmes que la société a fait face, l'université, n'est-ce pas, river, comprendre et permettre que nous soyons plus clairs par rapport à problème ça. Voler recherche là, je dis, qui sont éléments incontournables dans toute université à travers le monde. Ben, là, il est intéressant, et chaque fois 18 mai arrivé, il est bon pour que ensemble monde dans la société, ouais, et qui gens ça nous est là comme université, comment on est capable de faire fonctionner tout bon vrai, dans le sens pour l'accompagner, développer. Société. Donc voilà en gros l'agenda qui prévoit pour 18 mai ça. Merci tout le monde qui a suivi la télévision nationale d'Haïti. Nous partis là pour une journée agenda de célébration et permettre de nous souhaiter à ou même qu'en Haïti, ou à l'étranger, une bonne fête du drapeau. Kenny Wilson déjà avec nous. Kenny, bonjour, comment vous? Bonjour Serginho, bonjour à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices télévision nationale d'Haïti. Jean, vous saute déjà dressé portrait ou bien présenté situation en matin. Hein. Au niveau de Akaye, pour ce fond, nous comprendre que chaque 18 mai, c'est quand même un rendez-vous annuel au niveau de Akaye pour que nous gagnions les grands commis de l'État, les trois pouvoirs constitués de l'État qui ont même rendu dans la cité dite du drapeau, côté où ils aller pour que ils soient capables de célébrer création de drapeau, création bicolore. Et année ça a marqué 215e anniversaire création de drapeau. C'était ici à nos congrès le 18 mai 1803 que Catherine Flon a pris l'initiative collée bleu à rouge là qui te bail création bicolore là, et des couleurs ça a gagné toute signification que le gagnant, c'est tout ton symbolisme que qui le caractérisait. Donc c'est ça qui fait que nous retrouvons là aujourd'hui à une cérémonie qui a annoncé en grande pompe, une cérémonie qui supposait gagner deux parties, une partie eucharistique côté pour gagner messe action de grâce dans la cathédrale Saint-Pierre dans la commune Akaye, et après nous allons gagner la cérémonie officielle côté pour gagner un discours des officiels, et parmi eux Jean-Sodil Serginho, première citoyenne commune Akaye, Rojmila petit frère, et premier citoyen nation hein, président Jovenel Moïse, qui entre autres t'a supposé prendre la parole justement dans ces circonstances là. Et c'est deuxième fois président a gagné pour que lui commémorer fête drapeau, lui célébrer fête drapeau, parce que c'est deuxième année quinquennale là. Donc nous espérons
justement que le président va gagner un discours. C'est quand même mon appel à l'unité, puisque les gens de l'an drapeau a déjà dit l'union fait la force, c'est génial. Absolument, l'union fait la force. Et là, et drapeau a et charrié tout ça. Et vous avez souligné tout à l'heure. Drapeau a les Noël, nous sommes ensemble, nous sommes mis en commun, nous sommes l'unité, nous sommes une pote collée à l'autre, nous sommes en pile charrié par nous. Vous souhaitez rappeler le Kenley Vilsain, et c'est suite au fameux congrès de la Cayenne et qui t'a pral scellé l'union des noirs et des mulâtres. Et monsieur Damiot dit bien finalement on met ensemble pour nous capables de retirer, n'est-ce pas vrai, voyez que l'on va aller retirer nous en bas et question esclavage là, et permettre que l'humanité capable de comprendre qui ça semble dire liberté. Parce que il faut que nous pas suspendre rappeler ça. Et pour les amis qui suivent télévision nationale haïtienne, toute autre station de radio et de télévision qui a prolé dans le moment ça, liberté a tout sens parce que nous avons fait ça, nous avons fait en 1803, dans le premier temps, en 1804, avec la proclamation de l'indépendance de la République d'Haïti. Alors, révolution que tu as faite ici, Mremendil, c'est révolution plus originale qui n'a jamais faite sur la terre bénie, parce que ça te permet que moun ouais moun ou l'autre gens. Ouais, s'il y a pas les jodi de question droit moun de respect droit moun de liberté, n'est-ce pas, c'est parce que ancêtres nous ont metté dans dimension pour te comprendre dans moment ça l'humanité te besoin l'autre souffle, l'humanité te besoin ouais moun ou l'autre gens. Et on t'est arrivé 18 novembre 1803 à Versailles, renverser la plus grande armée dans la période là, l'armée napoléonienne. Peut-être que je dis on t'a parlé de l'armée américaine, c'était dans moment ça, mais c'est l'armée napoléonienne plus grande armée que tu gagné dans moment ça. Mettez l'un des routes et contre toute attente. Mais tout ça, c'est parce que il était quoi dans l'idéal. Tout ça parce que il était d'accord que, ben, question querelle de chapelle, discussion, et pas ci, pas là, n'est-ce pas, chaque monde a géré ses affaires par eux. Il était dit non, on a bas de basse ou bas ça, on a d'accord, n'est-ce pas, quitter que c'est unité à qui jaillit, on a d'accord que c'est les têtes ensemble qui mettaient devant. Et finalement, il y arrivait à gagner le dessus sur l'armée napoléonienne. Et 1er janvier, nous comme ça passé à Gonaïve, il a proclamé l'indépendance pays. Alors vraiment, quoi, chaque fois qu'on a vive célébration ça, c'est l'occasion pour nous tourner l'histoire, pour nous garder côté nous sortir, pour nous garder, n'est-ce pas vrai, ensemble d'engagement que nos ancêtres nous ont fait, pour te permettre que nous avons bouté côté monde qui vive, on bouté côté pour l'injustice sociale, pas d'abdominer, ils ont bouté côté richesse bien partagée, ils ont bouté côté pas de trop disparité, ils ont bouté côté santé, éducation, somme de service arrivé garanti. Pourquoi ces qualités réflexion ça yo qui méritait, n'est-ce pas vrai, fête chaque fois n'a vive moment de célébration ça, et pour nous capables d'y tête nous par rapport à quelle chaîne lutte ça que ancêtres nous ont mené, par rapport à qualité engagement ça que monsieur dame ça ont prend nous même je dis, est-ce que nous capables construire tête nous comme de dignes héritiers de et ça a quitté pour nous là par rapport avec réflexion yo, par rapport avec jeune mené pays, par rapport avec décision, par rapport avec choix nous yo, par rapport avec n'est-ce pas vrai ensemble d'attitude, ensemble de comportement nous pas suspendre affiché. Alors pourquoi c'est ça je dis à qui t'a doué mené ensemble réflexion qu'a fait dans occasion 18 mai 2018 là qui fait nous songer 215 années création de drapeau et TNH, Noir Cayet, et ensemble nous pral vivre tout ça qui va passer ici à la cadre célébration officielle de Kenley Vilsain. Ça vous invite les spectateurs et téléspectatrices de télévision nationale d'Haïti à comprendre, c'est que jeudi, dans le cadre de transmission, ça n'a pas gagné pile approche historique que nous faisons. Parce que tout simplement, jeudi a son date qui historiquement veut dire un pile bagaille pour peuple haïtien, un pile bagaille pour pays d'Haïti, parce que c'est vrai que nous avons gagné 18 mai 1803, qui fait que jeudi a nous gagné 18 mai 2018 là. Mais il faut nous rappeler pour Mounio que son ensemble de luttes, que son ensemble de batailles qui menait justement, qui te permettent que nous gagnions 18 mai 1803. Nous sommes capables de songer révolte esclavio, nous sommes capables de songer en pile l'autre fait qui marquait une beau période esclavagiste que Saint-Domingue à l'époque t'a connu et qui t'a mené à congrès à Cayenne, un congrès qui était symbolique parce que à l'époque, tu as gagné monde qui t'a bataillé aux ancêtres nous qui t'a décidé de retirer partie blanche là. Dans le drapeau français, pour te coller bleu à rouge, là, qui se dit tout à l'heure, ou te rappelé Serginho, qui symbolisait l'union des noirs et des mulâtres, qui te baille la République d'Haïti, qui t'appelle baille la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Mais pour nous, dégainer le 1er janvier 1804, là, j'en remédie, c'est un ensemble de batailles, son enchaînement, sorti de 18 mai 1803, passé dans 18 novembre 1803, qui te baille le 1er janvier 1804. Là, et je dis, si nous sommes capables de gagner une nation libre et indépendante que nous gagnons, une nation souveraine que nous gagnons, c'est grâce à un ensemble de batailles, ça, et c'est ça que fait chaque fois
date ça arrivé, nous attirer attention moun yo sou réalité ça yo, sou fait historique ça yo, mais au-delà de date ça yo, tout faut moun yo comprendre que gen nécessité que chaque jour yo et ben porter en réflexion qui pour permettre que yo et ben assurer la relève par rapport à héritage ça que les ancêtres yo t'ai quitté pour nous, que les ancêtres yo quitté pour nous et yo quitté pour nous c'est au prix de leur sang, au prix de leur vie. Et ben ni important pour que nous comprennent que pas rien qui t'a supposé trop gros pour nous faire pour pays ça, parce que les ancêtres yo qui ban nous 27 750 km² ça yo même yo pas gagné que t'es trop pour te faire, pour te trouver que toi grand, pour te faire, pour te banol. Et ça que fait jodi a nous toujours fait rappel historique ça pour qu'on comprenne. Ou même comme citoyen, ou gon grosse part de responsabilité, au même titre que autorité, ou gen on part de responsabilité, nan permettre que pays ça, eh ben, li, a capable appliquer au mieux les gens qui retrouvent l'ambicolo là, les gens qui retrouvent le drapeau, l'union fait la force. Ça, c'est génial. Absolument, drapeau, c'est symbole fierté, drapeau, c'est symbole unité. Et là, et c'est autour de ça, la paix vive, journée 18 mai 2018, ça, sous télévision nationale d'Haïti. Nous faisons encore merci en pile parce qu'on est avec nous. Merci parce que, eh bien, vous pouvez arrêter sous TNH et sous toute la station de radio et de télévision qui permettent téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs, à paix vive, tout ça qui a passé ici, dans Akaye, Akaye, la fière cité du drapeau. Akaye qui paraît pour vivre célébration ça. D'ailleurs, nous souligner le pour gagner et en pile l'officiel yo qui déjà sous place gagner qui déjà prend siège dans l'église Saint-Pierre de l'Arcaillère puisque c'est là la célébration eucharistique pral déroulé suivi bien entendu de Tédéum. Alors messe la suite de Tédéum et puis gagner tout qui sous stand qui est érigé pas oublier gagner c'est sûr que réalisateur nous a permettre nous une idée de ça n'a pas parlé là gagner plusieurs stands qui érigé sous place là. Alors année ça a une particularité, il faut que nous souligner lui. Alors généralement c'est un lieu pas qu'on érige sous place. Alors, mais Anessa et gagner des dispositions qui prennent que c'est sous place là, c'est un lieu érigé et gagner en place qui est réservé à et discours et président républicain côté président Jovenel Moïse va gagner pour l'intervenu jeudi à dans le cadre de la célébration ça. Alors là c'est quand même on nous dit depuis célébration fête drapeau c'est la première fois et décor a changé. Et dans le niveau ça, puisque pour les gens qui sont habitués à venir à Kaye, c'était une confette à côté de l'église là, et barré, et on dit à Léa, alors, et puis défiler à confette devant Sten. Mais je dis, on nous dit gagner plus d'espace, et espace là plutôt aéré, espace là plutôt dégagé, ça qui peut quand même faciliter le défilé. L'autre élément n'est pas qu'à négliger qu'elle force la meilleure, qui est remobilisée. Gagner pour défiler jeudi à dans la commune Akaye. À côté de l'unité la police nationale que nous remarquons qui déjà prend place, qui prétend très certainement l'arrivée du président de la République Jovenel Moïse, mais gagner tout force Améa, n'est-ce pas, qui pral gagner pour défiler jeudi à et un dit espace là paraît plus paré, n'est-ce pas, espace là plus dégagé pour faciliter défiler force l'armée d'Haïti à journée vendredi 18 mai 2018 là. Alors voilà en gros quelques éléments nous pas capables de négliger dans la célébration ça et puis il faut que nous dit tout gagner ensemble de travaux de curage qui était démarré on dit depuis plusieurs semaines et qui était continué selon information nous disposer pour Akaye. Gagner tout des rencontres qui fait à plusieurs niveaux. Nous sommes le week-end dernier, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine était à Kaye. Après l'intervention premier citoyen communant Rosemila Petit Frère et Kendé Vissin. Et pendant la présence, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine était profité de distribuer des matériels agricoles by ensemble élus locaux et Kazek, Azek, n'est-ce pas, qui n'a cabaret à Kaye et profité d'attirer l'attention sur ensemble de problèmes que zone a fait face et garder ensemble qui solution appropriée capable porter par rapport à un problème ça. L'autre fait pas capable de négliger, je dis à tout bras fait 100 l'année depuis à Kaye accueilli fait ça. Alors 100 l'année depuis fête drapeau a fêté nan niveau à Kaye. Là déjà c'est son gros causé et vraiment et c'est une bonne occasion qu'on fait pour nous saluer toute archeloise, toute archelois qui non seulement en Haïti mais tout à l'étranger qui vivent fête drapeau sous télévision nationale d'Haïti.
Effectivement, et on précise pour nous qu'en attendant arriver chef l'État, en attendant arriver président de la République, là, déjà gagné en pile autorité que nous remarquons présent sur là. Nous avons dit que nous remarquons quasiment présence autorité trois pouvoirs l'État, puisque nous remarquons présence en pile membre dans le cabinet ministériel là, qui déjà là. Nous avons remarqué tout à l'heure la présence et président CSPJA, et maître Jules Cantave, qui était là d'ailleurs. Nous remarquons présence plusieurs parlementaires. Et nous avons dit, j'aime dire tout à l'heure que c'est trois pouvoir l'État qui déjà fait représenter au niveau de la carrière, particulièrement dans l'espace qui est réservé pour célébration 215e anniversaire création drapeau haïtien, drapeau haïtien. Qui de nous juste préciser pour nous tout que en dehors de autorité qui présent, mais il y a un pile monde qui fait déplacement, justement, il y a des curieux, il y a des monde dans la zone qui fait déplacement, comme ça, toujours, chaque fois, il y a des occasions spéciales qui a célébré dans des communes, dans des dans des villes dans le pays, il y a des dispositions qui toujours prend pour permettre que les gens soient capables même assister, le public là capable de même venir assister. Et là, Jean Tabdil ou présenté des corps à Serginho avec un pile passé main qui fait par rapport à Jean Satekonye longtemps, puisque 100 ans après, c'est sûr que ou te dit, c'est la première fois que le décor a changé autant, avec stand qui n'est pas placé côté qu'on a habitué placer. Et là, le président qui gagne un espace côté libéral pour prononcer discours qui est uniquement réservé avec lui. Donc c'est autant de changements qui gagnent par rapport à Jean, disposition qu'on prend, Jean décor là qu'on lui-même présenté pour que vous commémorez ou bien célébrer, disons mieux, fête drapeau. La police, déjà présent, nous sentit que y a une pile disposition qui prend sur le plan sécuritaire, même pour nous arriver là, toute route nationale numéro 1 que nous empruntons pour nous arriver là, nous sentons que gagne en pile présence et la police qui toute sur route là qui a assuré sécurité moun qui au même a emprunté route nationale numéro 1, que soit moun qui a vacué à occupation personnelle yo, mais tout moun qui déplacé pour venir dans célébration officielle là, moun qui déplacé pour venir assister à ça qu'a fait là. Qui doit nous rappeler pour moun yo que mais ça qu'a fait là jodi a, li gagne une importance capitale pour peuple haïtien, li gagne une importance symbolique. Tout parce que jeudi a n'a célébré symbole indépendance, nous symbole qui montrait que nous sommes peuple libre, symbole qui montrait que nous sommes peuple indépendant. Donc l'important pour que chaque nous comprenne que chaque fois période ça arrivé, au-delà de célébration, hein, au-delà de fête là, mais faut qu'il y ait des réflexions poussées qui fait pour nous garder côté nous y tant années après. Jeudi a c'est fête drapeau 215 ans après à nous garder côté nous y. Est-ce que nous faisons honneur à monde qui te ban nous drapeau ça? Est-ce que nous travaillons pour que nous matérialiser vrai union que tu toujours qu'on prône lorsque tu prends initiative organiser congrès dans ville à Kayer? C'est autant de questions pour nous poser tête nous et puis pour nous rendre tête nous compte tout. Est-ce que nous avons un bilan qui est positif par rapport à l'ensemble de réflexions que nous faisons pour que nous soyons capables de dire véritablement que nous assurer la relève par rapport à l'héritage lourd et sacré ça que les ancêtres ont quitté pour nous, Serginho Lendor? Absolument, et il faut que nous soulignions le fait de drapeau à Anessa l'a déroulé dans le contexte de État généraux sectoriels, puisque État généraux sectoriels y a aucun lit lancé. Comité pilotage État généraux sectoriels y a été présenté par la presse. Président de la République a été fait une cérémonie dans le palais national où il a annoncé officiellement État généraux sectoriels y a lancé. Et secrétariat technique a travaillé et a souligné 16 mai que ce passé a. C'était dans la commune à Kayer. Et bien, il y a un gros rassemblement qui fait, tandis que c'est un premier gros rassemblement. Et comité pilotage, secrétariat technique a été fait. Pour te rencontrer plusieurs secteurs, brasser l'idée, permettre à chaque monde de dire qui ça a pensé de Haïti, qui ça a quoi que tu as fait, qui ça a fait jeudi, un problème ça a eu, que n'a parlé là, un problème qu'il y a éducation, un problème qu'il y a santé, un problème qu'il y a économie. Pour que ça, c'est là, nous y sommes toujours, soit souligné tout à l'heure. 215 années après création de la pouvoir, côté haïtien, est-ce que nous arrivons à montrer nous à la hauteur de l'héritage là? Est-ce que nous arrivons à comprendre la bataille dans cette nouveauté menée pour permettre que nous ayons bouté ça, pour nous dire ça, c'est ces affaires pas nous, nous sommes chers maîtres, chers maîtresses? Est-ce que nous arrivons à garantir, n'est-ce pas vrai, yon la vie meilleure à citoyens, nous, à compatriotes, nous, à fraction nous? Est-ce que nous arrivons à porter service, ensemble de services, est-ce que nous arrivons à permettre que les gens prennent confiance dans la tête, prennent confiance dans le pays? Est-ce que nous arrivons à garantir l'espoir, un autre élément important? Est-ce que nous arrivons à garantir, déjà, quoi que jeunes nous sont capables de penser demain, capables de plus intéressant? Donc, tout ça, c'est des débat qui est important pour nous souligner. Et avec l'État généraux sectoriel qui est là, et c'est ça la démarche là, c'est permettre que tout problème est posé. Nous songeons dans le discours du président Jovenel Moïse dans le Palais national, dans le moment, dans le février mars là, il a installé officiellement
membre du comité pilonnage, il te dit, pas un sujet tabou, il faut que tout le monde parle, il faut que nous fassions le génage, il faut que nous regardions l'autre, je vous dis, mes amis, ça nous est là, est-ce que nous devons continuer Kembel, est-ce que nous sommes capables de quitter l'avancée comme ça, ou bien ensemble, pour nous dire, mais qui ça nous a remis, pays ça tourne, pour que les jeunes qui viennent, ils sont capables de dire, on l'a été des gens qui sont là, dans le pays de ça, et qui te fait ça pour te faire, et qui permettent que eux-mêmes ne soient pas joints au pays. Qui c'est qui n'a état que lié journée jeudi. Alors c'est ça l'idée et pendant rassemblement ça Kenny, ensemble de problèmes posés, ensemble de pistes de solutions essayer explorer et là maintenant équipe comité pilotage là, équipe état général sectoriel a annoncé il y aura le gain de l'autre rassemblement non en pilote ville en d'un pays mais pas choisi à Kaye par hasard, je choisis à Kaye quelques jours de célébration fête drapeau a, et je choisis à Kaye parce que c'est là et union des noirs et des pilotes là t'est scellé. C'est là, M. Damioté Rivantan, pour avancer ensemble pour nous dire 18 novembre 1803, mettre la main, mettre deux la main Napoléon dans la terre, et puis 1er janvier 1804, nous proclamer l'indépendance. Nous. Vraiment, c'est un bagage, un choix assez symbolique et qui méritait souligner. Et au fait, on nous souhaitait que ensemble de acteurs dans la société arrivent à approprier deux états généraux sectoriels, là, qui t'a permettre que ne pas rater. N'est-ce pas vrai, et démarche là, nous pas rater l'occasion, ça, nous pas rater l'opportunité, ça, qui vraiment capable d'aider nous sortir dans le marasme que nous y est là, qui vraiment t'a aider, nous dit bon, dans 25 ans qu'on a venu là, mais ça nous devons pour Haïti dans la question éducation, mais ça nous devons pour santé, mais ça nous devons pour économie. Parce que de toute manière, que c'est X, que c'est Y, c'est bien-être payant, t'as doué devant. Au-delà de tout intérêt, au-delà de tout problème nous avons eu, au-delà de toute divergence nous, au-delà de l'approche nous peut-être qui est capable différent, mais intérêt supérieur nation. Et moi c'est ça. Et cette dimension ça, dans cette nous arrivé météo, qui fait que malgré tu as un petit problème dans l'intérêt certaines fois, mais je dis non, bon côté arrivé, quoi la Bible qui dit ça, c'est l'apôtre Paul. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Je t'ai arrivé, je dis, en transcendé, en alpiro que ça. On a le plus loin que ça, on nous permet que nous arrivions à libérer Haïti et bailler liberté à tout sens et qui va le faire que l'humanité approprie je dis, de concept liberté, tout ça que fait après en termes d'effort pour respecter le droit de l'homme, là. Donc quoi je dis à nous-mêmes qui là, on servit avec célébration ça, on servit avec l'idée de mettre tout le monde ensemble non, pour que nous garantissions un plus bon demain à génération qui venir à Kennedy Wilson. Effectivement, c'est génial. Et pour les gens qui peut-être demandent des têtes pour qu'ils aient une cérémonie, pour qu'ils officiellement commencer, pour qu'ils aient messe là pour commencer, qui nous juste rappeler que nous toujours attendons d'arriver président de la République là, puisque c'est la dernière personnalité qui suppose arriver là pour que la cérémonie hein, lui-même soit capable officiellement commencer, que ce soit une messe qui pourra le suivre de TDOM. Non, et deuxième partie cérémonie, hein, que nous avons les parties officielles, côté pour gagner la présentation des discours officiels dans l'occasion célébration 215e anniversaire. Drapeau haïtien, mais parallèlement, gagnant de l'autre autorité qui continue à arriver, des membres du cabinet ministériel qui continue à arriver. Et tout à l'heure, nous sommes remarqués présence président chambre député, député Delma, Gary Baudot, qui lui-même saute fait apparition dans l'espace qui est réservé pour célébration 215e anniversaire création drapeau haïtien. Et bien, dans ensemble de réflexions que nous avons fait, que Serginho a commencé à faire aujourd'hui, pour permettre que nous gagnions l'autre regard par rapport à journée jeudi, au-delà de fête là, au-delà de moment de célébration que ça doit représenter pour nous, parce que jeudi a ça qui mène nous là, c'est pas on met ça faire, c'est pas un cadeau. C'est d'ici nous arriver pour nous célébrer 215e anniversaire de drapeau nous, nous avons droit pour nous fêter, nous avons droit ça. Mais ça pas empêcher tout que nous produisons des réflexions sur réalité, nous sur janvier pour nous garder est-ce que 215 ans après, nous fait honneur, j'aimerais me dire, à ça que vous avez quitté pour nous comme héritage, à ça que vous avez légué pour nous comme héritage, qui c'est pour moi un héritage lourd, mais aussi sacré. Et c'est là, je vais le rappeler à chaque grain de monde qui a suivi nous là, à chaque téléspectateur, téléspectatrice, internaute, télévision nationale d'Haïti, que mais responsabilité pour mon pays qui a marché, sont responsabilités communes. C'est nous chaque qui gagnons rôle pas nous pour nous jouer. Et c'est là, nous sommes capables même faire allusion à l'état généraux sectoriel de la nation. Pour que nous comprenions que quel que soit mounouillé, quel que soit ce fait dans le pays ou appartenu à un secteur d'activité X ou Y, eh bien, l'état généraux sectoriel là, c'est l'occasion pour que nous bah, disons pas par rapport à secteur pour appartenir à elle là. C'est sûr que nous entendons sur le fait que majorité secteur dans le pays est malade, majorité secteur dans le pays a mandon passé, même en des réflexions qui fait sous lui pour gagner des pistes de solutions qui joignent, pour gagner des ouvertures qui joignent, pour nous permettre que nous améliorer qualité performance secteur ça. Mais le pas privé là, c'est que ou même
qui sont acteurs dans ce secteur ça ou pas dit mot pas si que ou même qui sont acteurs dans champ ça ou pas dit mot pas pour qu'on capable permettre que secteur lui-même lui joigne évolution émergence que nous souhaitons. Et ça fait nous dit et n'a pas rappelé que mais développement pays à émergence pays à progrès pays à c'est une initiative collective que louer sont initiative commune entre chaque citoyen et citoyenne haïtien et haïtienne pour que nous capable briver la donne. C'est vrai que autorité yo gagné yo investi dans mandat pour que yo donne bail le ton puisque nous fait de yo des mandataires de la nation. Donc faut nous entendre nous sur le fait que nous bail au droit pour que yo bail le ton. Le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, a donné le ton en mettant sur pied le comité de pilotage et le secrétariat technique des états généraux sectoriels de la nation. Et là, c'est à chaque grain citoyen, que ce soit monde qui appartient à structure ça, que ce soit de l'autre monde qui travaille dans des secteurs divers pour que emboîter le pas pour permettre que initiative ça pote fouille doué pote a pour que dans 5 ans 10 ans après génération qui va venir après yo capable dit que nous quitter un héritage pour yo au même titre que héritage yo t'ai quitté pour nous 18 mai 1803 Saint-Genis. En lever Haïti Piro en chita pour nous parler drapeau c'est symbole fierté drapeau c'est symbole unité. Autant de slogans que nous remarquons sous place là et dans l'occasion 215 années création de drapeau à 18 mai 2018, 215 années déjà. Télévision nationale d'Haïti, on voit encore qui a pas accompagné ou depuis la fière cité du drapeau, depuis Villa Caillé, côté Napé Vive, moment de célébration, ça, célébration officielle, bien entendu. Et dans quelques instants, président républicain Jovenel Moïse, pour gagner pour arriver sur place à Caillé. Voilà, président Jovenel Moïse qui a pas gagné pour arriver Kendi Vilsain. Et déjà, nous remarquons plusieurs officiels. Ou te dit tout à l'heure, représentant trois pouvoirs dans l'État qui déjà ou même sous place pour capable participer dans la cérémonie officielle journée jeudi au état-major police nationale d'Haïti. Faut que nous soulignions la présence président conseil supérieur pouvoir judiciaire et d'autres membres du CSPJ qui est sur place. Kémy tout à l'heure a fait mention de un pile d'un parlementaire qui déjà présent, notamment le président de la Chambre des députés, le député Gary Baudot de Delmar, qui sur place pour une cérémonie 10 juillet 2018 ça cap déroulé ici à Akaye, la fière cité du drapeau, première citoyenne commune Akaye qui là et le président du Sénat de la République Joseph Lambert, le premier ministre Jacques Guy Lafontaine, voilà ensemble de personnalités qui déjà là pour participer dans la cérémonie 18 mai ça Kenny Vilsain. Vraiment le décor est bien planté et c'est pour la première étape journée, première étape là c'est qui ça va lier c'est au champ président pour le recevoir avec bien entendu fanfare palais national qui est déjà sur place et c'est pour ensuite monter du drapeau et enfin offrande florale dans pied statue Jean-Jacques Dessalines qui érigé sous place à Caillère avant bien entendu au prendre direction l'église Saint-Pierre de la Caillère, voilà, première dame république là, Martine Moïse, qui lui-même privé, bien entendu, qui a accompagné le président Jovenel Moïse, qui a retrouvé l'autre officiel, notamment le premier ministre Jacques Guy Lafontaine, les salutations d'usage, voilà, pour le président du Sénat, voilà, premier citoyen de la commune à Caillère, le haut état-major de la police nationale d'Haïti, n'est-ce pas, le lieutenant-général Jodel Le Sage, hein, des forces armées d'Haïti et qui est sur place le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, voilà, le président de la Chambre des députés, le ministre de la Défense, salutations d'usage qui a continué, le ministre de l'Intérieur, le commandant-chef de la PNH, Michel Angédéon, l'inspecteur général en chef de la PNH, l'IGC, Ralph Stanley Jambis. Voilà en gros comment la situation est présentée, ensemble de personnalités et fanfare par national là qui paraît pour saluer le président Jovenel Moïse qui arrivait ici à la cité du drapeau pour cérémonie officielle 215 années 18 mai 1803 18 mai 2018 Télévision Nationale d'Haïti nous en direct pour permettre ou vivre point par point, étape par étape tout ça qui a été déroulé ici à Akaye, c'est le premier moment journée.
à la candidature pour l'hymne présidentiel. Maintenant, reposez. Et on souligne là, c'est premier moment de journée. La vive quoi, il est là, l'occasion de 215 années création de drapeau sous télévision nationale d'Haïti. Effectivement, et ces salutations qui ont continué. Autorité qui ont même a déplacé après au champ, après l'hymne présidentiel là qui finit de jouer. Pour te saluer, arrivé chef de l'État, premier citoyen nation, président de la République là, son excellent Jovenel Moïse qui gagne. À qui est bon côté, la première dame république là, Madame Martine Moïse, mais tout qui gagne en pile l'autre autorité dans trois pouvoirs l'État. Yo. Nous te dit, nous remarquons présence président Chambre députée, ya, député Garibodo, nous remarquons présence président Sénat République là, sénateur Joseph Lambert, présence premier ministre, chef gouvernement, docteur Jacques Guy Lafontaine, et en pile l'autre autorité en dans l'État. Et là, c'est la montée du drapeau. Drapeau bleu rouge qui va lisser. Justement, on l'autre moment symbolique dans la célébration, je veux dire. Elle a toujours fait vivre le premier moment, journée de célébration. Ça, et on fera encore bonne fête du drapeau. À vous tous et à vous toutes. Ne pas prêter rien puisqu'on sous TNH. Merci, on fera encore toute station de radio et de télévision qui a prôlé TNH matin, aux cérémonies officielles. Et après ça, la Dessalinienne. La Dessalinienne, fanfare par les nationales, sont exécutées pendant les drapeaux bicolola. Et bien, il a pu monter, il a pu hisser le beau ciel à Akaye dans l'occasion 18 mai 1803, 18 mai 2018, 215 années. Et là, et cérémonie, on nous dit qu'il démarrait. Ça, c'est première étape, premier moment journée. Hein. Président Jovenel Moïse. Première dame République, président Sénat, premier ministre Jacques Guy Lafontaine, président Chambre députée, magistrat Kaye, membre cabinet ministériel, haut état-major de la police, au commandement force l'armée d'Haïti. Vraiment, on dit ensemble de corps constitués de l'État, yo, au rendez-vous ici à Kaye pour capable vivre. Journée ça et journée 18 mai. Et là, chef de l'État qui a quitté place et qui a pris en direction l'église Saint-Pierre de l'Arcaillé, côté Pralgagnien, Messe, suivi bien entendu de Téléum traditionnel là. Après elle finit monter, après le drapeau a fini monter, après elle finit recevoir au champ de la fanfare par les nationales. Et chef de l'État avec Madame Ni et qui a dirigé lui. Dans l'église Saint-Pierre, accompagné bien entendu de officiels, accompagné bien entendu de ensemble de représentants dans l'État qui déjà fait déplacement et qui pourra l'assister, messe qui pourra le démarrer dans quelques instants et c'est pour le deuxième moment journée hein, sous télévision nationale d'Haïti et après célébration eucharistique, on a retourné sous place là et c'est là discours officiel pour quelqu'un pour fête, discours représentant l'université, puisque je vous dis, c'est le jour de l'université, et discours magistrat commune, discours, n'est-ce pas, et parlementaire, généralement parlementaire, intervenu dans la cérémonie, ça et tout, et Kenny Wilson. Et on nous dit tout à la fin, c'est pas le discours du chef de l'État, Jovenel Moïse, après le temps très certainement, qui sa message va prallier, qui sa message chef d'État va prallier dans l'occasion ça, et dans le contexte côté État généraux sectoriel lancé, dans le contexte côté gagner chita parler qu'a fait à remplir le secteur dans le pays pour que nous arrivions, j'en ai dit dans le discours lien, à un véritable pacte pour un progrès, à stabilité économique pays d'Haïti. Mais pourquoi là, puisque c'est Mesta et gagner Jean-Weekend Smeroné.
qui lui-même trouvé l'examen. Par contre, sur quelques considérations et que nous avons fait avant de nous remettre internat, Jean-Wilkens Ferrolet qui trouvait dans l'église Saint-Pierre pour suite retransmission. Pendant que toute autorité a rentré pour prendre place dans l'église là, et pour nous remettre bah, Jean-Wilkens Ferrolet qui lui-même bral gagner pour que le permette nous vivre ça qui passe dans l'église là, qui vient seulement dit nous que là nous pour rentrer dans phase et célébration eucharistique dans cadre cérémonie ça après que chef l'état avec toute l'autre autorité qui présent au niveau de Akaye pour célébration 215e anniversaire création drapeau hein, mais eux même ils sont recevoir hymne présidentiel gagner au chant qui saute bail et c'était la montée du drapeau avec l'entonnement de la dessalinienne par ensemble de monde qui ont même retrouvé au niveau de place Akaya qui fait déplacement. Et pour elle est là, j'en ai déjà annoncé, c'est avec Méroné qui pourra permettre que Mounio gagne une idée de comment ça va le passer au niveau de l'église Saint-Pierre de la Akaya, côté pour le gagner messe, action de grâce qui pourra chanter, qui pourra le gagner TDOM après, en attendant que nous retournions de à venir sur place là côté pour le gagner discours officiel ou Serginho Lindor. Jean-Wilkens Ferrolet, on met pour maintenant pour permettre à Mounio vivre qui j'ai en réalité à présenter dans l'église Saint-Pierre, côté c'est pour le deuxième moment journée, messe suivi le TDOM. Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti, nous en direct de la paroisse Saint-Pierre de l'Arcaye, côté cérémonie, l'a continué après première étape là qui était faite au niveau de la place d'armes, en fait, la place Saint-Pierre, qui était que tu gagnes une offrande florale qui faite par le président de la République et qui était avec les autres autorités, l'autre dignitaire dans l'État, qu'on y a là, nous on est enceinte l'église à côté cérémonie, on va continuer Jean Fex Sodzil avec étape eucharistique là et la cérémonie religieuse dignitaire et en tête le président de la République et son épouse qui rivait déjà, qui fait river en dans l'église là et qui suivi par et l'autre dignitaire dans l'État, nous remarquons entre autres le président de la Chambre des députés, des ministres du gouvernement, en tout cas, décor là, li planté en dans enceinte l'église là pour cérémonie capable de commencer. Nous capables tendre et une animation qui gagne en dans l'église là. Et bien, c'est des participants, des monde qui présents dans l'église là qui eux-mêmes a créé une sorte de vacarme, nous avons dit comme ça, et en dans l'église Saint-Pierre. Mais l'important, c'est que jeudi, 18 mai 2018, nous avons fêté, en fait, nous avons célébré 215 ans depuis la création du bicolore haïtien, drapeau bleu et rouge, donc on a quitté, prend naissance, ici là même, dans Arcaye, et le 18 mai 1803, le que des généraux Dessalines en tête, ils ont pris une décision pour créer drapeau ça qui t'apprend un signal fort que ils ta bataille pour venir gagner un pays qui indépendant. Alors qu'hier, le 18 mai 1803, drapeau a été créé et Catherine Flon sous l'ordre Dessalines te coude drapeau ça que nous gagnons aujourd'hui qui symbolise nous à travers le monde. Chaque fois que nous flotter, eh ben nous gagnons émotion ça qui traverse nous, qui fait nous sentir que nous sommes une nation à part entière. Après 18 mai 1803, nous connaissons une bonne autre étape qui était franchie en passant par le 18 novembre, qui était bataille de Vertière, la bataille décisive, si vous voulez, et pour nous arriver à 1er janvier 1804, côté indépendance pays, l'Itapral proclamé par le général en chef de l'armée Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines qui était prend Maïa de Toussaint Louverture après que il était déporté en France, que l'État va le fermer jusqu'à ce que il mouri. Toussaint Louverture que nous besoin saluer à chaque fois un moment ça yo, parce que lui c'est précurseur indépendance pays ya. Tout le monde doit reconnaître contribution importante que il était porté dans bataille ça, côté il était prend il te prend bâton pour te faire face à l'armée colonisatrice, l'armée de Napoléon qui te kembe et population qui te gagne sous territoire ça avant ça qui te des esclaves qui eux même te besoin de liberté et malgré te gagne et affranchissement général te gagne
déclaration de l'abolissement de l'esclavage, eh bien, ça pas suffit parce que c'était important pour nous devenir indépendants, pour nous mettre dehors, coulons les Français qui ont occupé territoire ça.